mother told me I was a timid child. At school they said I had no style. Ça y est, les trois drôles de dames sont de retour, partis pour les Alpes Mancelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la cloche. La reine de la cloche est de retour. Donc oui, on a fait un petit regroupement familial. Du coup, on a retrouvé mes parents dans la Sarthe et nous partons tous ensemble voir les Alpes Mancelles. Bon, eux, ils connaissent. Moi, je suis partie. J'avais 18 ans de la Sarthe, donc j'ai pas eu le temps d'aller visiter tout ça. Voilà, on va vous faire découvrir. C'est parti. Regroupement familial, c'est parti. Et oui, maman seule, bah du coup, c'est beaucoup de travail avant de partir et beaucoup de patience parce que un petit départ prend 3 heures forcément. Bon, le petit voyage commence bien. J'ai oublié de prendre de l'eau, donc c'est un peu comme Koh-Lanta. Il va falloir aller à la recherche de l'eau. Regarde la film des deux côtés. Oui. Oh, regarde comme c'est mignon. Attention, toi, si tu veux pas que je te taille un short. Ah, ça a l'air mignon comme tout. On va s'arrêter ici. Hein. On est à 100. Je vous le redis après parce que en plus ils ont mis la pancarte à l'envers. Donc ça y est, on est arrivé aux Alpes Mancelles. Alors là, ça fait partie de Saint-Céneri de Guéret. Donc, je vais vous montrer, c'est un beau petit village, tout mignon. Voilà, c'est chez les voisins, on va pas regarder. Hein. Petit village, il est vraiment sympa. On va faire une petite photo aussi. Voilà, les maisons sont prises dans les roches, super mignon. Vous descendez jusqu'en bas. Il y aura le petit pont qu'on a traversé tout à l'heure. On est contente de faire la van life dans les Alpes Mancelles. Ouais. Regardez comme c'est mignon. Petit toit de chaume là-haut. Trouver une copine? Maman? Oui? Pourquoi es-tu là, Toto? Ben, et pourquoi il n'y en aurait pas? Tu me quittes? Tu vas avec papy, mamie? Ouais. Ça y est, elle a préparé son siège. Ouais. Et moi, je reste avec toi. Ouais, on part en tête à tête. Et j'ai volé la place à Léonie. Petite balade terminée, là on va aller au spot, du coup on va être normalement sur le bord de la Sarthe. Donc c'est parti, on va aller voir, j'espère que c'est pas trop marécageux ou que c'est... On va s'embourber parce que bon, on a quand même eu beaucoup de pluie. Hein. On a une là-bas qui est partie squatter. On la voit pas trop là entre les deux mais j'en ai perdu une. Regarde-moi ce petit spot s'il est pas bien là. Au calme, tranquille. Bon bah du coup le premier spot il était inondé, donc bah, là où on s'en va à un autre où est-ce qu'on aura une vue, donc on va voir ça. Donc ouais, un petit chemin de terre, ça va, c'est praticable hein. Après 5 mois de pluie ou 6 mois de pluie, tout le monde peut passer et je vous filmerai ça. Voilà. Ouais, comme dirait Clem, je pense que là, nous avons le spot de qualité. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Le spot parfait. Ah bah voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Regardez-moi ça.
Parfait. Au calme. D'un côté, nous avons le restaurant Pompon et, et de l'autre côté, nous avons le restaurant Van Pan. La mascotte, elle est sur sur le pare-brise. Sur le pare-brise, c'est le chat. Et les filles ont trouvé des copines. Vous êtes fait une amie? Oui. Curieuse. Petit coucher de soleil, on va aller faire une petite balade en attendant. Avec nos copines. Non, c'est nos copains. C'est des bœufs. C'est le floriste. Ah, merci. Le bouquet des choses. Ah oui. Et le soir. Tiens, encore plus d'eux. C'est Uno. Soirée Uno. Je vais asseoir, moi. Nous, on aime la van life. Oui. On aime l'aventure. Oui. Parce qu'on est des. Gâteaux. Ça, c'est mes filles. Il est pas beau mon bar, regardez ça. Le papa qui est déjà debout avec la fille. Père et fille debout. Mon petit ourson trop mignon du matin de la van life. Il y a César aussi qui se lève du lit. Oui, oui, il est tout ébouriffé. Hein? Hey, écoutez les chiens. Alors c'est reparti, là on part de notre spot, on va aller à Saint-Pierre-Denis. Et du coup on va aller chercher un peu d'eau parce que bah on est parti sans eau. Papy, mamie, ils tombent en rade d'eau aussi. Donc on va aller chercher de l'eau. Puis bah hier je m'étais arrêtée vite fait prendre un petit pack d'eau pour survivre une nuit. Donc on va vous montrer tout ça. Voilà. Allez, on monte dans les montagnes. Mancel. On est en plein cœur des forêts. On va aller voir un observatoire. Et là, on est bien au milieu. Hein. Regardez, c'est tout vert sur le GPS. Bon. Ben, on s'est encore fait avoir. C'est fermé jusqu'au 3 mai. Et nous, le 3 mai, eh ben on sera rentré. Oh, elle est pas contente. Oh, qu'elle est pas contente. Oh, qu'elle est pas contente. Oh là là. Oh là là, voilà, moi, je suis pas contente. Tu peux faire une. Bon, bah, c'est fermé. Ils font des travaux. Tu fais comme. Bon, bah, du coup, on veut aller à Saint-Léonard-des-Bois. Et j'ai vu au dernier moment une petite table de pique-nique parce que Karine la pas fine qui a oublié toutes ses chaises. Et bah, du coup, là, on a une petite table de pique-nique. Donc, ouais, j'ai donné un coup de volant au dernier moment. Le pain a volé. Tout s'est renversé. Mais bon. Et puis, bah, j'ai enfin trouvé une petite poubelle parce que partout où est-ce qu'on est passé, eh bien. Il y avait pas d'eau, alors on va se laver au Volvic parce que on le voit bien. Donc on a pris des grosses bouteilles d'eau parce que partout où on est passé, bah, tout est hors service. Donc on en a marre de chercher de l'eau, alors voilà. On a pris des grosses bouteilles, on va se poser là parmi les tracteurs et le fumier. On vient de se caler à Saint-Léonard-des-Bois, donc on a enfin trouvé de l'eau. Hey, 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 hey.
Et oui, et la source qui arrivait là pour nous donner notre petit bidon, bah, elle finit là et elle se jette dans la Sarthe. Il y a tout un terrain de camping en bas, avec vue sur la rivière. Et puis, et sur les lacs. Père de loisirs. Et sonner la cloche. Et sonner la cloche, ouais, si ça vous plaît, les Alpes Mancelles. C'est Zélia, la photographe. Hein. La photographe, la caméraman. On peut sonner la cloche, oui. Sonner la cloche, sonner la cloche. Sonner la cloche. Suivez le guide. Regardez ce petit lieu avec toutes les petites fleurs de printemps. Magnifique. Alors, c'est parti, on est parti entre mère et fille, avec la plus grande de mes filles, Zélia, 8 ans. On est parti pour une randonnée de 2h45, je sais plus. Donc on verra, elle fait 5,8 km. Mais comme on court vite, je sens qu'on va la faire en plus rapide. Hein. Léonie est restée avec papy et mamie. Elle va certainement faire sa petite sieste. Et balade de César. Toute beauté. On a beau, on a chaud, on est trop bien. Il pleut pas. Parfait. Et on est content de venir avec sa maman. Ah, là, je vois les familles gonflables. Je vois le camping-car. Ah oui, effectivement, nous sommes exactement garés juste là-bas. Là, nous avons papy. Et là-bas, c'est moi. Sur le trajet de la randonnée, nous avons des petites biches. Petits, oui. Oui, j'ai des petites biches. Hein. Des petits fans. Peut-être une petite curieuse qui arrive. Hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Bah quoi, j'ai le droit d'être là. Et là, il a été maltraité, il a plus de... Son oreille, elle est cassée. Il a plus de bois, il a l'oreille coupée. Il a un truc dans le ventre. Pauvre petit chat.